Bonjour à toutes et à tous, c'est un couple une PMA. Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale car aujourd'hui on va apprendre comment interpréter son résultat de spermogramme et surtout comment le lire, comment le comprendre. C'est un peu l'intérêt de cette vidéo car j'avais prévu de la faire et vu qu'on est en confinement et qu'on ne peut pas trop parler de notre bilan de parcours en ce moment vu qu'on est bloqué. Donc on a fait la vidéo récemment à cause du confinement. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'un résultat de spermogramme, ça varie d'un examen à un autre. C'est pour ça qu'on nous vous demande souvent d'en faire un deuxième environ 1 et 3 mois après le premier pour éviter d'avoir les mêmes résultats parce que ça change à chaque fois. Donc les valeurs de référence à savoir sur un spermogramme, c'est le volume. Donc le volume, c'est l'échantillon que vous avez dans votre bocal. Donc je vais essayer de trouver une photo pour l'incruster sur le montage. Donc c'est normalement égal ou supérieur à 1,5 ml. Voilà. Donc je vais vous mettre le tube que j'ai utilisé sur le côté. Hein. Ensuite, vous avez le pH qui joue beaucoup. Donc c'est l'acidité ou l'alcalinité de l'échantillon. Donc c'est souvent égal ou supérieur à 7,2. Voilà. Attention parce que les altérations, ça peut provoquer un dysfonctionnement de la prostate ou des vésicules séminaires. Voilà. Ensuite, vous avez la concentration spermatique. Donc c'est le nombre de spermatozoïdes par millilitre. Voilà. Vous avez le nombre total de spermatozoïdes, donc là c'est au moins 15 millions, voilà, pour un résultat normal. Vous avez 3 types de mobilité, donc vous avez la mobilité progressive, donc c'est la mobilité qui va permettre de se déplacer jusqu'à l'ovaire, l'ovule, et qui va permettre aussi de passer par les trompes de Fallope, justement pour faire le bon trajet comme il faut. Le non progressif, donc c'est celui qui n'avance pas, celui qui se déplace en cercle et qui n'avance pas beaucoup. Et vous avez l'immobile, donc celui-là, il est incapable de se déplacer, il reste au même endroit, il ne bouge plus. Voilà. Il faut bien différencier les mobiles voilà. Et immobiles. Ouais. Voilà, donc c'est les 3 mobilités ouais. Possibles. Enfin, motilité ou mobilité, j'ai dit motilité, voilà. Alors la vitalité aussi, la vitalité c'est très important pour les résultats car normalement ça doit être égal ou supérieur à 58%. Voilà, pour tout ce qui est nombre de spermatozoïdes bien sûr vivants. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même un pourcentage de morts et un pourcentage de, on va dire, semi-morts, semi-vivants. On ne sait pas ce qu'ils font, ils restent plantés, on ne sait pas. Voilà. Ensuite, vous avez les leucocytes. Donc là, attention, c'est des échantillons de globules blancs. Un excès, ça peut être l'indice d'une infection. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai mis mes résultats sur mon calepin. Mais avant, je voulais vous annoncer, bien sûr, pour bien écorcher la langue française, les pathologies. Donc, vous avez le normozoospermie. Donc ça, ça signifie que vous avez des résultats normaux. Vous avez l'azoospermie, donc là c'est quand c'est une absence de spermatozoïdes dans l'échantillon, donc c'est-à-dire que vous avez potentiellement éjaculé dans le bocal que je vous ai affiché tout à l'heure et qu'il n'y a pas de spermatozoïdes du tout dedans. Voilà. Donc là c'est complètement décevant, ça met à froid tout de suite. Vous avez le oligozoospermie, donc là c'est quand c'est vraiment des spermatozoïdes inférieurs à la valeur de référence. Voilà. Ensuite, vous avez le nécrozoospermie. Donc là, c'est une quantité de spermatozoïdes vivants, mais inférieure à la valeur que je vous ai annoncée tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire 58%. Vous avez moins que 58%. Donc, ils appellent ça quoi ? Donc, ils appellent ça une nécrozoospermie. D'accord. Voilà, donc c'est des pathologies, je lis... au cas où certains se poseraient des questions. Vous avez aussi, pour finir, l'asténozoospermie. Donc là, c'est la mobilité
qui est inférieure aux valeurs standards, c'est-à-dire vous avez plus d'immobiles que de mobiles, quoi. Voilà. Donc ensuite, je voulais en parler justement car j'ai les résultats sous les yeux et je vais vous apprendre à lire vos résultats. Donc là, juste en face de moi, voilà, j'ai le prélèvement effectué au laboratoire. Donc vous avez l'heure où est effectué le recueil, donc pour moi 10h40. Le délai d'abstinence, c'est-à-dire le délai dans lequel vous n'avez pas eu de rapport sexuel ou que vous ne vous êtes pas être fait éjaculer. Donc moi, c'était de 2 jours, car effectivement, il y a 2 jours avant leur examen, et je n'avais pas compris qu'il fallait avoir un délai aussi court. Et donc, j'ai préféré ne rien faire pendant un moment, alors que ce n'était pas la solution. Donc après, ils m'ont expliqué que c'était normal qu'au téléphone, ils avaient du mal à expliquer tout ça. Donc c'est un peu plus compréhensible. On était obligé de le refaire. Ensuite, vous avez les examens cytologiques. Donc, je vous parlais tout à l'heure des leucocytes, des globules blancs. Voilà. Donc ici, ça parle en millilitres, en millions par millilitre. Donc voilà, vous avez un chiffre et forcément, il ne fallait pas que ça dépasse un certain chiffre que j'ai annoncé tout à l'heure. J'avais parlé de combien? Non, j'avais pas noté le chiffre, malheureusement. Mais il faut pas que ce soit en grosse quantité, quoi. Faut pas que ce soit trop supérieur à la moyenne, car ça peut évoquer une infection. 58%, c'était pour les spermatozoïdes vivants. Les hématies, donc les hématies, c'est encore une fois des infections qui peuvent être causées. Donc moi, j'ai une absence d'hématie, voilà. Ensuite, vous avez l'origine du prélèvement. Donc là, c'est le sperme, tout simplement. Ça dépend l'origine de chacun. Ensuite, vous avez la recherche d'une certaine bactérie qui s'appelle U. Urealiticum. Donc la bactérie, ça signifie, c'est pour les mycoplasmes génitaux. Voilà. Donc si vous avez une trop grosse quantité de cette bactérie, il faut savoir que pour la femme, ça peut être un déséquilibre de la flore vaginale. Et pour un homme, on peut attraper une urétrite qui est une inflammation de l'urètre. Voilà. C'est important à toi, savoir. Toi, t'en avais pas, hein, il me semble. Non. Négatif. Négatif, pareil pour le M.hominis. Donc là, par contre, j'aurais dû faire la recherche pour vous signifier la bactérie, mais c'est pareil, c'est encore des champignons et des bactéries à infection. On appelle ça tout ce qui est IST, je pense. Voilà. Tout ce qui est IST, donc c'était des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Donc ensuite, vous avez les caractères généraux. Donc là, bien sûr, vous avez la viscosité. Donc là, c'est est-ce que c'est visqueux, je pense, c'est plus de ce côté-là. Le volume, donc le volume, bien sûr, vous avez une pipette graduée qu'on vous donne, que je vous ai affichée. Et d'ailleurs, on voit très bien combien de millilitres à la fin il y a dedans, parce que c'est vraiment gradué au millilitre près, quoi, au 0,1. Ensuite, vous avez le pH, donc le pH... avec une languette de papier, comme il marque sur le papier, il vous calcule le pH comme dans une piscine. Voilà. Et en réalité, voilà, moi j'étais à 8. Donc je pense que tout à l'heure j'avais signifié qu'il fallait que ce soit égal ou supérieur à 7,4, il me semble, j'ai dit. Alors, je peux toujours revérifier. Hein. J'avais dit 7,2, égal ou supérieur à 7,2. Donc voilà. Ensuite, vous avez bien sûr l'examen microscopique, donc là c'est vraiment du calcul. Alors là, vous avez le total de spermatozoïdes en millions. Moi je suis à 49. C'est-à-dire, soit il calcule par éjaculation, en gros, grosso modo, combien vous allez en éjecter. Donc moi j'en suis à 68 millions. Bah oui, je précise millions parce qu'il y en a, ils vont dire 68, ça paraît peu, quoi. Mais c'est vrai que c'est en millions, hein, que je précise quand même. Ensuite, les cellules rondes. Donc là, c'est les cellules rondes. Donc là, je suis à 2 millions. Les leucocytes, j'étais à 1,7 million. Agglutinate, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est marqué absence. Alors, je vais voir. Agglutinate, A-G-G-L-U. T-I-N-A-T-S.
Alors ensuite, pour continuer en attendant qu'elle fasse sa recherche, la mobilité à 1 heure, donc c'est-à-dire les spermatozoïdes à progression rapide, on était à 20%, lente à 25%, sur place à 10% et immobile à 45%. Voilà. En 1 heure, bien sûr. Hein. Agglutinative blue. C'est quoi déjà? Agglutinate. Voilà. N-N-A-T-E. NATS. Alors ensuite, en 4 heures, on était en progression rapide à 20%, 25%, 10% pour les mobiles. Aspermie absence Voilà. d'éjaculat ou volume de sperme de Ah oui, mais j'ai 0,7 oublié complètement qu'il y avait... Asténosome spermie moins de 50% de... Alors voilà, donc pour la vitalité, j'en suis à 69%. Donc bien sûr, les valeurs de référence, j'étais en train de chercher, mais c'était derrière la Regarde, ça feuille. dit ça. Donc le volume doit être supérieur à 1,5 ml, le pH supérieur ou égal à 7,2. La numération, c'est-à-dire le nombre total, doit être égal ou supérieur à 15 millions. La mobilité totale doit être égale ou supérieure à 40%. La mobilité progressive à 32%. La vitalité doit être supérieure ou égale à 58%. Les leucocytes doivent être inférieurs à 1 million. Et les formes typiques supérieures à 15%. Voilà. Ensuite, le spermocytogramme me dit que les formes typiques étaient à 42% et atypiques à 58%. Donc, voilà, c'est les spermatozoïdes concernant l'anomalie de la tête ou de la pièce intermédiaire ou de la flagelle. Voilà. Donc, les anomalies de la tête, on a des chiffres un peu n'importe où, on ne comprend pas, mais... C'est vrai que ça nous dit en fait ceux qui ont une forme normale et pas normale, et il y a un tiret entre les deux. Donc je peux vous lire tous les chiffres parce que sinon vous allez rien comprendre. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez voir ceux qui ont la tête allongée simple, la tête amincie, ceux qui ont une problème de flagelle, qui n'ont pas de flagelle, ceux qui ont enroulé, multiple, etc. Donc voilà, vous avez pas mal de choses qui vous est citées. Là-dessus, il n'y a pas vraiment grand chose sur quoi s'étaler. Et pour finir, vous avez bien sûr l'indice d'anomalie multiple. Donc là, c'est vraiment le total d'anomalies enregistrées. Voilà. Donc moi, j'en étais à 1,62 et ça devait être inférieur à 1,60. Mais je vous rassure, ce n'était pas très grave car ça parlait bien sûr de mon problème. J'avais des leucocytes un petit peu plus élevés, mais c'était même pas en rapport avec une infection, mais par rapport à des anciennes mycoses que j'avais attrapées auparavant. Et tout ça joue aussi avec les résultats. Donc vous inquiétez pas, ce n'est pas grave dans le cas où ma gynéco l'a très bien dit, et puis que je ne me suis pas non plus fait de mauvais films. Donc. Le spermogramme en conclusion, pour moi, il était normal. Donc, dans les conclusions, vous avez toujours tout ce qui est hypospermie, leucospermie, etc. Vous avez tous vos soucis. Voilà, donc pour mon côté, je l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo, il me semble. Et puis J'étais toi, pas tes été mycoses, tu vraiment les avales? jusqu'au bout. Donc, j'avais eu un tout petit peu en dessous de la moyenne du volume de la pipette qu'ils m'ont donnée. Et la leucospermie, c'est pour les leucocytes. Donc encore une fois, avec les mycoses, on avait eu des petits Ouais, soucis. mais toi, c'était dû à un Mais vêtement c'était qui dû t'allait pas à au cul. des caleçons en synthétique, on va dire. Et puis Voilà, on a c'est dû tout à fait changer ça. Alors, est-ce que tu as de base. trouvé? Ah, moi, j'ai ça. Alors, l'agglutinat, d'après ce que je vois, c'est pour décrire les amas de spermatozoïdes parfois retrouvés lors du spermogramme. Donc les amas, d'accord. Et qu'est-ce que les amas? On va le savoir tout de suite. Les amas. Alors, les amas de spermatozoïdes, c'est
Non, c'est justement ça pouvant laisser penser à la présence d'anticorps agglutinants. Donc ouais, c'est ça. Donc en gros, là, c'est pour présenter tes anticorps dans ton spermatozoïde. Voilà. Ouais, donc ça reste toujours avec Voilà, ça reste toujours le possible. un domaine médical avec les anticorps, les globules blancs, les globules rouges, etc. Voilà. Donc, et ben pour cette vidéo, je pense que j'aurai un peu tout T'as fait dit. le tour? Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui était spermogramme. Si vous n'avez pas très bien compris, c'est pas grave, j'essaierai de reformuler ça dans le montage, car c'est vrai que ça peut paraître compliqué pour certains. Si vous avez des questions, on a toujours une adresse mail pour nous poser des questions. Après, il n'y a pas que nous qui répondons à ces questions. Il y a pas mal de services mis en place pour répondre aux questions. De réponses pour le spermogramme. Il y a pas mal de forums sur internet, donc n'hésitez pas à y aller. Et du coup, nous, on voulait balancer pour le confinement. On compte sur vous, les 45 abonnés et peut-être plus qui nous regardent, mais qui sont pas 46, si j'ai bien. forcément abonnés, et que je vous invite justement à aller vous abonner en dessous, à lancer une FAQ. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On y répondra avec plaisir dans une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres sujets de vidéo qui vous intéresseraient, expliqués par moi ou par Anaïs, n'hésitez pas à commenter. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Balancez vos questions ou vos sujets dans les commentaires et on se retrouve très bientôt. Ciao, bisous. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.